La forte dynamique d'installation en micro-fermes maraîchères s'inscrit dans un contexte plus large de diffusion des idées liées à la permaculture, à l'agroécologie ou au maraîchage bio-intensif. Mais ces porteurs de projets, souvent non issus du milieu agricole, font face à des défis complexes. Formation et expérience minimum, défaut d'accompagnement, petite surface ou encore difficulté d'accès au foncier ou à la ressource en eau. Les parcours d'installation de ces micro-fermes sont semés d'embûches et de nombreux projets s'arrêtent après seulement quelques années d'existence. Mais d'autres parviennent à s'inscrire dans la durée en atteignant une forme de viabilité. À l'aide d'une méthodologie commune et grâce à l'implication des réseaux de conseil et de l'enseignement agricole, le projet MM Bio, conduit par l'ITAB et ses partenaires, a pu dresser un panorama des micro-fermes maraîchères bio et de leurs conditions de réussite et de risque. C'est un projet, déjà, il faut le souligner, très partenarial. Dès le montage, on a mis vraiment les partenaires du développement jusqu'à la recherche, en passant par l'expérimentation, la formation. Pendant 3 ans, les partenaires du projet ont conduit des enquêtes auprès de 42 micro-fermes maraîchères bio françaises et ont recueilli de nombreuses données et témoignages. Des expérimentations ont aussi été conduites pour évaluer les effets de pratiques agricoles spécifiques de ces systèmes. L'objectif, consolider et diffuser des repères techniques et économiques propres au maraîchage bio sur petite surface. Le premier objectif, c'était de connaître, de mieux connaître, parce qu'on n'avait pas vraiment de référence. Cultivées selon les règles du bio, ces micro-fermes s'inscrivent souvent dans une démarche visant à combiner les deux grands principes de l'agroécologie, diversification et autonomie. De par leur petite taille, elles cherchent à optimiser une production très diversifiée et à la valoriser en circuit court. Ces installations sont de véritables projets de vie à part entière, où la volonté de minimiser l'impact sur l'environnement est largement partagée. Elles ont de nombreux points communs, mais recouvrent aussi des stratégies très diverses. L'idéal est bien entendu d'aller voir ce qui se passe ailleurs et d'aller se tester avant de se lancer. Parce qu'il n'y a pas que le côté culturel en fait, production, il y a une grosse partie, et surtout au début, administratif et économique. Et là-dessus, si on ne maîtrise pas les chiffres, on peut vite se retrouver coincé en fait. La typologie MM Bio distingue 4 groupes. Le groupe 1, avec 9 fermes et un revenu inférieur au RSA. Le groupe 2, avec environ 15 fermes et un revenu compris entre le RSA et le SMIC. Et les groupes 3 et 4 avec des revenus horaires supérieurs au SMIC ou supérieurs à 1,5 fois le SMIC. Quand on gagne le SMIC, en tant que maraîcher, c'est qu'on est un bon maraîcher. Le maraîchage sur petite surface peut sous certaines conditions générer un revenu confortable, mais c'est aussi une activité prenante physiquement et mentalement. Simplifier la complexité et ne pas faire d'économie sur l'ergonomie sont 2 piliers de la réussite. La viabilité économique d'une micro-ferme maraîchère bio est à portée de main. Le projet MM Bio a produit bien d'autres résultats encore, notamment des évaluations de pratiques au sein d'un réseau de stations d'expérimentation avec les techniques de densification de culture, d'association de culture et de fertilisation. Par ailleurs, une action de track aux innovations par l'atelier paysan a permis de produire des références sur les outils adaptés aux micro-fermes. Enfin, vous voyez ici apparaître l'ensemble des livrables du projet MM Bio avec des synthèses de données, des cahiers pratiques, des vidéos et vous trouverez l'ensemble sur le site wiki MM Bio.